Hey Madelot, ici Defroy, aujourd'hui on se retrouve pour l'un tutoriel sur Minecraft qui va reprendre la construction de cette maison là. Une maison très rapide à faire, petite et très facile à faire. Du coup voilà, je vous fais un petit peu le tour histoire de vous montrer. Ouais, voilà, très très simple hein, comme vous pouvez le voir, ça va pas prendre longtemps. Donc hop, je vous invite à venir sur le côté. Enfin, là où vous voulez la construire vous. Et on va faire une première ligne de 6 blocs de longueur en bloc de quartz. Ok, on va monter cette ligne là à 4 blocs de hauteur. Ok, on va venir par l'arrière, du coup on va compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 blocs. Ok, on va remplir la surface hop ici comme ça, voilà, jusque à ce niveau là évidemment. Ok. Une fois qu'on a notre plateforme ici, on va reprendre les blocs à ce niveau-là et on va les mettre sur 6 de longueur à ce niveau-là, donc 6 blocs de longueur ici. À partir de ce bloc-là, du coup, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blocs. Ok. Puis après, on met une plateforme sur la longueur que je vous avais dit tout à l'heure. Ok, comme ça. On va venir sur le bord ici comme ça de la maison et on va venir monter ces murs là à 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur. Ok, donc sur toute la longueur du mur ici, on le monte à 5 blocs. Ok, donc vous voyez, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Puis par dessus ici là, vous voyez, vous prenez cette ligne là et on va venir faire cette ligne dans ce sens là. Hop, jusqu'à dépasser de 1 bloc par rapport à la plateforme d'en dessous. Et là pareil, du coup on remplit le plafond sur toute la longueur à ce niveau là. Ok, hop, voilà, il n'y aura même pas besoin de faire de coupure, hein. Vous allez voir, cette maison elle est vraiment rapide à faire. Youp. Hop, on va mettre après ça les murs en place, donc je vous inviterai à prendre, hop, les blocs de béton gris. Ok, béton gris clair, on va venir les mettre au niveau du dessous déjà. Hop, ici comme ça, avec un bloc de ce côté-là. On va laisser un bloc de ce côté-là, puis un autre bloc aussi de ce côté-là. Et ici, on va le prolonger, on va prolonger ce mur jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire en laissant un bloc de marge ici, ok? Voilà, donc on fait la même chose ici comme ça. Hop, et on met des murs partout, on mettra les fenêtres plus tard. Voilà, pouf. Une fois qu'on aura fait ça, on mettra les fenêtres en place. Puis, alors sur cette partie-là, du coup, on va faire la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on va laisser une bande de quartz sur les côtés. Donc on va mettre le mur à partir de ce niveau-là. Là, pareil, on va laisser une ligne de quartz ici. On va mettre le mur à partir de ce niveau-là. Et on va le faire prolonger sur toute la longueur de la plateforme en laissant juste un bloc de ce côté-là aussi. Hop. Et on va avoir un mur qui va avoir cette tronche-là que l'on va monter, du coup, tout jusqu'au plafond. Hop, hop, voilà, et du coup une fois qu'on a ça, on va vraiment terminer la structure du bâtiment en mettant un escalier à l'arrière ici pour pouvoir monter à l'étage du dessus. Donc il va vous falloir utiliser des escaliers et des blocs de quartz. Ok, on va commencer à mettre des escaliers du coup hop, à partir de ici. Ok, donc un bloc derrière le mur ici. Ok, on met des escaliers à l'endroit et à l'envers. Hop, hop, hop. Et une fois qu'on est arrivé au niveau du dessus, on va juste mettre des blocs comme ça. Ok. Une fois que l'on a ça, du coup, on va venir reprendre les blocs de quartz et boucher le trou qu'on a à côté de notre escalier ici. C'est pas nécessaire, mais c'est vrai que ça rend plus joli quand on bouche le trou à ce niveau-là. Hop, voilà, comme ça, en mettant un mur de quartz sur le côté. Ok, une fois qu'on a ça, du coup, on va mettre en place les vitres que vous voyez ici, hein. On va faire des vitres modernes, c'est-à-dire qui prend toute la hauteur du plafond. Ok, alors, on va venir... À ce niveau-là, on va laisser deux blocs de marge ici et les autres blocs à ce niveau-là et de l'autre côté aussi. Ah bah non, du coup, hop. À ce niveau-là, du coup, on va utiliser les vitres
pour les mettre ici. Ok, on va aller de l'autre côté du bâtiment, on va laisser deux blocs de ce côté-là. Et on va ouvrir ici aussi, pareil, de l'autre côté. Ok, alors là par contre, on va mettre des vitres que au niveau du dessus. Et la vitre en face, on va mettre des vitres partout par contre. Parce que du coup là, ça va être l'entrée, la porte d'entrée de la maison. Et donc du coup, on va utiliser les portes en bois. Ok. Hop, hop. Alors, il faudrait peut-être aussi mettre le sol en place. Ça, ça serait pas mal. Hop, donc je vais mettre un sol en bois. Donc, voilà, en bois de chêne, hein, par exemple. Hop. Hop, voilà. Alors, du coup, là, on peut mettre les portes et tout va bien. Alors, du coup, au niveau du dessus, ici, on va mettre une porte en plein milieu, voilà, de la terrasse. Hein. Là, ça va être une terrasse. Donc, en plein milieu, du coup, on fait une ouverture ici. Voilà, la même chose de l'autre côté. Et de l'autre côté du mur, ici, on va laisser un bloc de mur de ce côté-là. Et on va faire une ouverture sur les deux blocs d'après. Hop, et la même chose de l'autre côté. Et on va reprendre, évidemment, les vitres. Hop, ici, comme ça. Hop, voilà, et ici du coup on met des vitres au-dessus et on va utiliser, comme on a fait en dessous, des portes. Ok, très bien, du coup maintenant on va utiliser les vitres et on va faire une rambarde à ce niveau-là autour de la terrasse, hop, comme ça, voilà, on va en mettre ici autour de l'escalier, collé à ce niveau-là, et puis voilà. Alors du coup on va utiliser maintenant les dalles de quartz, ok, et on va venir les mettre sur le dessus, en fait, sur le toit. C'est juste pour un effet de style, hein. Il n'y a absolument aucun intérêt à les mettre autre que pour le luxe. Donc l'idée, on va faire une barre de 4 blocs à ce niveau-là, et on va mettre des dalles de quartz, en fait, sur toute cette zone. Hop, ok. Et en fait, le truc, c'est que quand on regarde la maison d'en dessous, eh bien, ça donne le petit truc qui fait sympa, voilà, ça fait un peu l'effet de style, je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est rigolo. Bref, du coup on va utiliser les murets de pierre et on va les mettre en dessous des blocs, des extrémités ici et là, hop, pour faire des soutiens, hein, tout simplement à la maison. Ok, on va utiliser du coup du gravier ainsi que des plaques de pression en bois pour faire la décoration. On va aussi utiliser des feuilles avec de la pierre lumineuse pour pouvoir faire de l'éclairage un peu. Voilà. Et au niveau du reste des décorations, on utilisera aussi du coup les fleurs pivoines. Ok, donc les pivoines, du coup, on va les mettre sur le devant de notre maison à ce niveau-là, histoire de donner un petit peu de couleur. Voilà, à la limite, on enlève celles qui sont sur le côté. Pourquoi pas. Ok, donc, alors que je regarde vite fait, ouais, on va utiliser du coup du gravier que je viens d'enlever, je suis très doué. Du gravier, du coup, hop, sur toute cette longueur-là, juste... du coup sur la ligne juste devant les piliers, hein, ok, sur toute la longueur de la maison. Hop, donc on va enlever toute cette zone là jusqu'au dernier pilier, ok, juste en face ici, et après on bouche ici. Hop, on enlève tout ça et on va même d'ailleurs mettre une ligne de blocs ici comme ça, ok. Donc je vais reprendre une troisième fois du coup mon gravier. On va mettre la zone ici en gravier, voilà. Hop. Ok, une fois qu'on a mis notre zone en gravier ici, on va utiliser les plaques de pression et on va les mettre autour de notre gravier, histoire de souligner, de faire un petit contraste. Hop, ici comme ça. On va utiliser maintenant du coup la pierre lumineuse que l'on va mettre dans le sol avec... combien d'écart? Deux blocs d'écart bon, entre chaque, c'était ce que j'étais en train de faire du coup. Ok, voilà, à l'arrière de la maison, histoire de donner un petit côté, voilà, des touches de lumière avec deux blocs de feuilles par-dessus chacun, comme ça. Ok, alors du coup, ce qui va nous rester à faire, c'est de rajouter quelques pointes de feuilles ici, comme ça par exemple, sur le toit.
OK. Et une feuille qui pendouille, par exemple, ici, comme ça. Et puis, voilà. C'est tout, hein, c'est fini, le tutoriel est fini. Alors je rappelle du coup que certains d'entre vous, oui mon skin est bugué, c'est normal, t'inquiète pas. Certains d'entre vous vont pouvoir gagner cette maison là en mettant des commentaires dans la vidéo. Voilà, je prendrai un commentaire au hasard ou pas en fonction de... Voilà, je prendrai un commentaire et il y en a un qui parmi vous gagnera du coup la maison. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus à la chaîne. Et puis voilà, à demain pour pour le live, du coup, sur le nouveau projet de la chaîne aussi, d'ailleurs. Hein, n'hésitez pas à regarder ça aussi. Bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine!